Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Botrap et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Kitty. Aujourd'hui, je vais essayer de faire la fin secrète du chapitre 1 en un player, en gros solo contre un bot. Bon, je connais le chapitre 1 par cœur, mais bon, les spawns des objets, c'est pas ça. Bon, j'ai rejoint la game. Je me suis fait avoir et tout le monde est en prison, mais la game se finissait pas, donc je me suis dit on va faire en solo, ça plus rapide. Du coup, solo contre un bot. House, c'est parti. Oui. Et puis aussi, je vais vous montrer comment l'avoir. Mais pour le chapitre 3, un pote m'a dit comment l'avoir. Le 2, je sais. Et pour le 2, je sais pas. On y va. Ah oui, et le chapitre 3 en hors caméra, je l'ai fini. Difficulté easy. Et c'est dommage qu'en un player des potes ne peuvent pas nous rejoindre. On skip. Et oui, j'ai un nouveau skin. Or, priorité, secret de trouver. Oh yes. Parfait. C'est la priorité. Bon, par contre, dès que je veux savoir, c'est fini. Putain, non. Je sais pas si il sait où on est du coup. Ah oui, c'est un bot du coup, je pense que oui. Mais viens toi. Là la priorité c'est vraiment de frapper un truc. Comme ça, ça sert plus à rien. On droit. Après, pour avoir la fin secrète, il faut déjà débrouiller ici. C'est obligatoire. Oh yes, la chance. Après, je me rappelle que j'étais tombé sur une game d'un mec, il avait un oclip. C'est bon, c'est activé, ouais. Tac. Et il faut que vous trouviez les trois fioles. Il y a la bleue en bas. Il m'a oublié, putain. La rose, il est en haut. En haut. Dans le grenier, je vois rien. Putain, mais mec, mais je suis en... C'est dur en solo, hein. Mec, 10 minutes en solo, hein. Piggy, c'est grave faisable, mais Kitty... Oh, la caméra en plus. En plus, j'ai peur, mec, que ça le ralentit même pas, quoi. C'est horrible. Après, j'ai le temps de fuir. Il m'a oublié ? Lol. Il est teubé, le chat. Ah, la fiole verte peut être ici, il me semble. Ou en bas, je crois. Ah, j'ai cru voir le chat. Non. Ici, des fois, il peut avoir la planche. Il n'y a que dalle, quoi. Bon, bah, j'ouvre le passage pour sourire. Hein. Le chat dort pendant 5 secondes. Ouais, putain, mais c'est que pour les... Allez, c'est bon. Pour les joueurs... En bot, ils disent le chat dort pendant 5 secondes, pas du tout. Ils sont bas les couilles, le chat, mec. Il dort pas, lui. Tac. Du coup, vu que j'ai débrouillé la porte à eau, je prends le grappin. Bon, le grappin. La pince. Avec le levier secret, du coup, ça ouvre la grille ici. Ensuite, vous allez là. Comme ça. Coupez ce truc. Et la fiole rose est tombée. Je laisse ça là, et la priorité serait de trouver la clé bleue. Enfin non, la clé verte en vrai. Peut-être en bas. Je sais pas où est le chat, vas-y je descends. Après, il est possible qu'il y ait un bug. Oh yes, et que le chat s'endort. Parce que, enfin, pour toujours quoi, c'est magique. Je suis en stress de carte, c'est pas... Comme dans Kiki. Il est en haut, non? Il y a une ombre. C'est lui. Il est là, putain. Oh non, t'es sérieux, mec? Qu'est-ce qu'il fait? Frère, je suis là. Attends, mais c'est normal que le bot il fait ça? Oh non, mais vas-y, putain. J'ai peur. J'ai peur, je sais. Il a clé verte, mec, je l'ai toujours pas trouvé. Alors que c'est essentiel pour fuir.
Regardez, la porte ne ralentit pas, quoi, regardez. Il arrive direct qu'il ouvre. Ça ne ralentit pas. Alors, dès que vous avez ouvert ça, tac, il vous faut le 3 fioles. Je vais chercher la bleue en faisant... Attention, chat, j'ai peur. Bon, la bleue au pire à la fin. Je prends la rose. Ce sera plus simple de prendre la rose en première. Il dort pendant 5 secondes. Ouais, bah si, il pourrait rester bloqué. Ah si, je crois qu'il faut lui fermer la porte de dessus quand il dort. Et du coup, regardez, 5 secondes, il bouge. Je crois qu'il faut lui fermer la porte dessus quand il dort. Et du coup, après ça, il sera bloqué à jamais. Il me semble que c'est ça le bug. Putain, j'ai pas trouvé la planche pour l'autre chemin qui permet de descendre. Après, tant pis, hein, y a pas besoin. C'est tant que j'ai un chemin pour... Maintenant. C'est bon, il passe par le trou. On profite. Tac. 5 minutes, ça va être chaud. Hein. Parce que alors, j'ai pas trouvé la clé verte. La fiole verte, normalement, est là-haut. J'ai vu, non? T'es en bas, je sais pas. Après, je sais pas. Oh, il y a la carte pour sortir. Enfin, pour... oui, pour la porte. Il y a pas la fiole verte. Ah, si. Attention au chat. Hein. C'est tellement dur. En solo ce jeu, mais c'est horrible. Elle est plus que un. Plus que un. Enfin, plus que la clé verte et c'est bon, je pourrais fuir. Mais vu que là, c'est la. C'est la secret ending. Il faut les fioles. Oh, la clé verte. Je pense que je sais où est-ce qu'elle est. Le stress car... Oh, putain. Tac. Je pense que je sais où est la clé verte. Elle est dans le seul endroit auquel je sais pas aller. La cage. Yes. Où est-ce qu'elle est? Putain, je stresse. Il dort, bah non. C'est bon, on peut fuir. Allez, il y a écrit exit. Bah les couilles. Putain, la fiole bleue. Oh, je me rappelle d'où. Oh non, oh ma mémoire de merde. Et où la fiole bleue? Ah, mais je suis con en fait, il est en bas. Bah oui. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Mais oui, il est en bas, mec. La fiole bleue, je suis con. Putain, je me rappelle ça en avance. Maintenant. C'est bon, il ne descend pas les escaliers. Il passe par le trou. Du coup, bah, dès que vous avez trois, enfin, faut ouvrir la porte de sortie et avoir mis les trois fioles. Bon, je sais que Kitty ne pourra pas venir par là. Et dès que vous avez mis les trois fioles, et ben, un canard apparaîtra. Vous le prenez, et puis voilà. Je sais pas, Kitty, putain, je stresse. J'ai entendu. Oh, non, j'ai fermé ici. Ah, c'est bon, et là bah, vous prenez la boîte en canard dans votre main et vous fuyez. Et là bah, vous avez la fin secrète. Blablabla. Je le connais une fake. Et bah, toi aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Tu en as un. Toi aussi, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, donc laisse tomber. Enfin, continuons le scénario. Je vais te faire sortir d'ici. Et qui t'y arrive avec la bouée aussi. Dis, pourquoi vous avez tous des bouées canards? Et un juge te souille le dialogue. Ok. Après, comme d'hab, il avance. Activé. Attention, c'est Kitty. TV allumé et on se fait avoir. YOLO. Et dans la télé maintenant, il y a des bouées en canard. La pire vision d'horreur.
Mickey Mouse. J'en fous. C'est fini. Et avec mon x8, putain, 1000. Pourquoi? Comme mon skin de chat, mais mon skin de souris. Oui, c'est que des robots. Mais bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la fin secrète du chapitre 1 de Kitty vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, commenter, à partager la vidéo. Je ferai bien sûr d'autres vidéos sur comment avoir les autres fins. Bien sûr, dans Kitty. Et aussi eux-mêmes, quand j'aurai fait tous les autres fins secrètes, je ferai aussi d'autres vidéos dessus. Peut-être avec Swan, qui sait. En tout cas, c'était Ublotrap. Bye bye tout le monde.